Man itay am téré to gourer la wax ah ah bon ah mais bon c'est pour dama wacc rek ñoo top di présenter c'est bien donc en fait bonjour chers camarades bonjour monsieur ça fait un bail là qu'on s'est pas entendu donc oui. Aujourd'hui je vais vous présenter mon application sur comment dirais-je faire sur Flutter donc mon sujet vous voyez mon écran j'espère je viens de partager oui. Mm-hmm. Donc, mon sujet porte sur la gestion des dépenses personnelles. Voilà. Donc, ici, après, je vous explique l'objectif. Maintenant, j'ai fait un plan simple pour expliquer mon projet. D'abord, j'ai introduit, il y a la partie où j'explique l'objectif de l'application. Il y a le diagramme de cas d'utilisation. Je fais aussi un démo sur ma structure du code ainsi que l'application elle-même, avant de conclure. Donc, pour la première partie, c'est introduction. Donc, pourquoi l'application Expense Manager? Donc, je l'ai nommé Expense Manager, j'ai utilisé les concepts anglais tout au long de mon application. Donc, l'application Expense Manager, c'est la gestion des dépenses, est une solution mobile conçue pour aider les utilisateurs à gérer leur budget et leurs dépenses de manière efficace. Donc, elle offre une gamme de fonctionnalités qui permettent aux utilisateurs de suivre leurs dépenses, de définir des budgets mensuels et de visualiser des rapports détaillés. Donc, puisque nous n'avons pas une bonne culture financière, donc souvent ça nous arrive de dépenser aveuglément, dire oui, ça me passe pas déjà. Donc, bon, puisque ça nous est arrivé souvent, c'est ainsi que bon, je me suis inspirée en disant que ce serait important de faire une application de gestion de dépenses, comme ça au moins l'utilisateur aura la possibilité d'avoir une visibilité sur ses dépenses, de gérer son budget, ainsi de suite, quoi. Et bon, pour parler de l'objectif, c'est ça. Donc, c'est de fournir aux utilisateurs un moyen pratique de gérer leurs finances personnelles. Elle vise à aider les utilisateurs à prendre conscience de leurs dépenses, à établir des objectifs budgétaires et à suivre leur progrès. Donc, l'application vise également à simplifier le processus de gestion des finances personnelles en fournissant une interface conviviale et intuitive. Donc, pour les cibles, donc c'est toute personne soucieuse de gérer financièrement son budget et ses dépenses. Donc, cela peut inclure des étudiants, des professionnels, des ménagères. Par exemple, tu as une dépense que tu dois gérer toute ta famille et que, bon, il faut catégoriser tes dépenses pour voir comment tu gères ton salaire, par exemple, comment tu gères ton dépense pour te sortir que voilà, au moins tu auras un rapport même à partager, une visibilité quoi. Donc ça pourrait servir à tout le monde. Donc j'ai seulement un type d'utilisateur pour cette application là. Donc pour la partie modélisation, j'ai fait un diagramme de cas d'utilisation pour permettre de voir les fonctionnalités de l'application. Par exemple, au niveau de l'application, l'utilisateur pourra s'inscrire à la plateforme. Donc, il faut qu'il y ait un compte donc pour pouvoir utiliser l'application. Donc, si on a déjà un compte, on peut se connecter directement avant d'accéder au dashboard, au tableau de bord. Et bon, à travers le tableau de bord, bon, si par exemple la connexion a échoué, tu pourras initialiser ton mot de passe, par exemple, si tu l'as oublié. Et après avoir accédé au tableau de bord, tu auras donc les détails des autres vues, telles que l'affichage des transactions, les budgets mensuels, par exemple, le fait de mettre à jour son profil, le fait de pouvoir aussi ajouter un budget mensuel et tout. Maintenant, faites attention, vous l'oubliez à chaque fois, les étudiants là. Quand il y a une relation d'extension, souvent il y a un point d'extension. Je ne sais pas, après, il faut revoir vos cours de modélisation. Et souvent, vous ne mettez pas les points d'extension. Points d'extension. Bon, je dis qu'accéder au dashboard, ça extend l'inscription. Cela veut dire qu'il faut pouvoir s'inscrire pour pouvoir utiliser. Oui, mais cela ne veut pas dire que s'inscrire veut forcément dire que l'on accède au dashboard, comme l'inclusion. Ouais, bon, Parce que ça se fait sous certaines conditions. Et le point d'extension permet de décrire la condition suivant laquelle on accède au dashboard. Bon, après, ce n'est pas grave.
verrai Bon, ta. après, je vais revoir le cours et corriger avant de vous envoyer, par exemple, D'accord, oui, la bonsoir. présentation, quoi. Parce que ça fait un moment. Donc, pour la partie démo, voilà, je vous montre mon application vite fait. Donc, d'abord, pour la partie back, j'ai utilisé Firebase Authentication pour gérer les authentifications et Firestore pour enregistrer les utilisateurs. Donc, j'ai utilisé Flutter et ses plugins, par exemple, pour faire certaines fonctionnalités telles que, par exemple, afficher des calendriers et ainsi des budgets. Donc, j'ai utilisé certaines, j'ai importé certains plugins de Flutter qu'on pourra voir après au niveau du code. Donc, je vais faire le démo maintenant de la structure du code et de l'application. Voilà, Expense Manager. Donc, j'ai lié d'abord j'ai lié Firebase et l'application pour que je puisse faire une exécution sur les plateformes Android iOS ainsi que comment dirais-je ainsi que le même web au niveau du web quoi. Donc après bon ici il y a le dossier assets où j'ai enregistré les images que j'ai utilisées et certaines icônes pour le site pour la plateforme. Il y a aussi ici lib. J'ai créé un modèle user. J'ai créé un modèle user donc qui concerne l'utilisateur avec ses données pour qu'il puisse se connecter après sur Firebase et pouvoir enregistrer les utilisateurs. C'est ce modèle-là que j'utilise. Il y a aussi la page, il y a les pages que j'ai fait, c'est-à-dire Sprass.edart, qui est la page d'accueil, et Onboarding.edart, qui est la page qui va nous permettre de pouvoir s'inscrire, se connecter. Il y a aussi les pages ProgoPass pour gérer les mots de passe, et ainsi de suite, quoi. Ce sont les pages qu'on a au niveau de notre application, les navigations, quoi. Donc, j'ai utilisé aussi Provider. Bon, pour pouvoir faire de mon application de manière modulaire, j'ai créé un dossier thème où j'ai mis les couleurs et les styles. Comme ça, je les sépare là-bas au métier. Il y a aussi les budgets, boutons, input, box et snack bar que j'ai utilisé pour mon application aussi. Donc, je vais vous montrer un peu. Je vais exécuter sur. Je vais exécuter sur mon ordinateur parce que j'ai pas un bon ordinateur quoi. Flutter Run. Pour que vous puissiez voir l'aperçu de l'application. En attendant que ça s'exécute, je vous montre un peu les données que j'ai pu enregistrer sur Firebase et Firestore, par exemple. Ici, au niveau de mon application, bon, la partie inscription, lorsque, par exemple, je crée un mail, directement, je crée un compte, le mot de passe va s'enregistrer ici. Voilà, mon application est là. Donc, ça va, après, je vais continuer le reste. Donc, voilà l'application. Donc, ici, je vais d'abord montrer la partie, la création de compte. Par exemple, ici, je crée un compte. L'ajout de profil est optionnel. Je mets professeur Sall. Je mets osal.gmail.com. J'entre un mot de passe comme ça, le 2000. Bon, ça aussi, ça va me permettre d'ajouter une date de naissance, quoi, pour l'utilisateur, par exemple. Et ici, comment dirais-je? Tu parles de toi, par exemple, ta biographie. Et ici, par exemple, j'essaie d'écrire un mauvais mail, comme ça vous allez voir que, bon, il y a le contrôle de saisie qui est bien implémenté. Ici, regarde, lorsque je crée un bon mauvais mail, non valide, il me dit carrément d'entrer mon, par exemple,
un bon mail, quoi. Mmh. Donc, je mets ici salve@gmail.com. Donc, les contrôles de saisie sont gérés partout, quoi, même le nom et les champs obligatoires. Donc, pour ne pas perdre du temps, je vais avancer. Il y a le temps qui passe. Donc, je suis en train de me connecter. J'ai bien créé mon compte. Regarde, le console est là. Donc, ça, il y a use data from server. Et je vais vous montrer la chose que j'ai créée sur Firebase, par exemple. Ici, voilà, ici, je viens de créer un mail. Regarde, le compte que j'ai créé, ça est là, salle@gmail.com. Et sur Firestore aussi, il y a le document qui sera ajouté sur la collection Users. Je vais voir. Où est la collection? Voilà, c'est ça. Il y a le compte que je viens de créer, quoi. C'est bien enregistré au niveau de mon Firestore que j'ai utilisé comme base. Hein? C'est quoi le paramètre is plus là? Ah, ça, je l'ai fait par défaut par exemple, sur mon abuser. Je l'ai fait par défaut sur. C'est un variable quoi que j'ai mis ici. Sur mon abuser. Voilà, donc ici, je vais parler de. Où est l'application encore? Le temps qui file. Ici, par exemple, bon, une fois connecté, vous voyez ici les transactions que, par exemple, la personne a fait. Mais actuellement, bon, je l'ai fait de manière statique, je n'ai pas géré ça de manière dynamique, quoi. Donc, du coup, cette partie-là, bon, il y a un fichier JSON, des fichiers JSON que j'ai mis au niveau de mon application. Ici, JSON, pour, par exemple, les budgets, le fait de créer un budget. Les transactions mensuelles, j'ai fait ça de manière statique, quoi. Donc, l'application récupère directement les données ici et affiche ça. Donc, je vais pas eu le temps nécessaire pour dynamiser ça. Mais je voudrais faire d'abord une chose statique qui marche avant de dynamiser cette partie-là, quoi. Et voilà. Donc, il y a, par exemple, ici, il y a la catégorie banque, automobile, gift, cadeau. Les catégories, quoi, les dépenses que, par exemple, tu fais par jour, ici, ainsi que le budget. Par exemple, au niveau de l'application, tu pourras voir toutes les transactions que tu as faites par jour, ainsi que la somme. Par exemple, ici, je l'ai fait de manière statique, c'est pour cela. Mais chaque jour, tu pourras voir les transactions que tu as faites. Donc, ça, c'est daily transactions. Donc, ici, c'est les budgets, quoi, en fait. Donc, par exemple, tu as mis pour les cadeaux, tu as fait un budget de 22,50 euros. Automobile aussi 3 000 euros et tout. Donc par mois, ça c'est par mois aussi. Chaque mois, tu mets selon ton budget comment dirais-je, les catégories de dépenses que tu vas faire. Ici, ça c'est le profil de l'utilisateur. Ici, c'est le profil de l'utilisateur. Ici, c'est le profil social. Et ça, c'est ton budget, par exemple, que tu as. Bon. Je voudrais mettre la fonctionnalité pour mettre à jour le budget. Mais tout ça, c'est encore statique, en quelque sorte. Il y a aussi la partie ajouter une dépense. Par exemple, si tu veux créer un budget, cette partie-là va te permettre de créer un budget. Et comment dirais-je? Par exemple, je mets budget légumes. Je mets 200 dollars, par exemple. Ici, ça va nous permettre d'ajouter, mais comme je vous l'ai dit, j'ai pas encore. Il y a des fonctionnalités que je n'ai pas encore implémentées sur mon application. Et bon, cette partie-là doit être cette dynamique que je n'ai pas encore dynamisée. C'est pour cela, les clics, je les ai désactivés, quoi, en fait, pour
pour après le dynamiser. Donc, la base de recherche aussi, je n'ai pas encore implémenté pour pouvoir rechercher s'il y a beaucoup de choses quoi, à rechercher. Donc, en quelque sorte, c'est ce que j'ai pu faire pour mon application-là. Et pour conclure, comment dirais-je? Ma conclusion là. Donc, pour conclure, j'ai mis que l'application offre aux utilisateurs une solution pratique et conviviale pour gérer les budgets et leurs dépenses avec ses fonctionnalités d'ajout de dépenses, de suivi de transactions, ainsi de suite, quoi. Bon, c'est un outil essentiel pour ceux qui souhaitent avoir une meilleure visibilité sur leurs dépenses personnelles et prendre des décisions éclairées. Il y avait aussi la fonction, de, par exemple, d'avoir un graphe, des graphiques que j'avais commencé et que je n'ai pas continué aussi. Bon, par exemple, sur la visibilité, parce que je vous dirais d'abord dynamiser la partie des transactions et tout, quoi, avant de pouvoir faire cette partie, avant de pouvoir continuer cette partie-là. Donc, ce sont ces perspectives, quoi, ces perspectives-là, c'est-à-dire dynamiser la partie à transaction et tout, ainsi que d'avoir un diagramme, par exemple, après qui va te permettre de voir tes dépenses de manière visuelle. Et si tu dépasses ton budget, par exemple, l'application va t'alerter par des notifications et tout. Donc, c'était l'objectif. Et voilà, quoi, en quelque sorte. OK. Merci. Merci beaucoup, Madame Fall. Bonne continuation. Merci. Bon, j'attends la fin de la présentation ou je vais partir. Hein? Oui, vous pouvez partir. OK, merci beaucoup. Merci. Allez, bonne soirée à tout le monde. N'oubliez pas de m'envoyer les présentations diapositives aussi. La deadline, c'est quand, monsieur? Ah, vous me l'envoyez, puisque les présentations diapositives sont terminées. Oui, donc je vais les envoyer d'ici demain ou demain soir. Ça d'accord, il n'y a pas de problème. Demain. Je vais essayer de faire ça d'ici demain, de mettre à jour, okay. Quoi. Le code, ce n'est pas la peine? Non, le code, ce n'est pas la peine. Okay, bon, à moins de le mettre dans Git. Oui, le lien GitHub, oui, je vous partagerai le lien GitHub. Merci okay. À tout merci. Le monde. Suivant. C'est qui le suivant dans la liste? Je pense que c'est moi. Attends, ouais. Je vais voir. Ça m'installe, ok. D'accord, est-ce que vous voyez déjà l'écran? Oui, on va y retourner l'écran. Voilà.